سعيد بلقائكم أعزائي التلاميذ عزيزتي التلميذات. كي أقدم لكم هذا الفرد اليوم، فرد محروس رقم اثنان، خاص بالأولى دولي. إذن سنمر on va passer à la premier exercice. Bon, qu'est-ce qu'on a? On a ABCD est un parallélogramme tel que la distance AB égale à 3 cm, AD est égal à 4 cm et l'angle BAD mesure 65 degrés. Première question, c'est tracer une figure de déterminer la distance BC et la mesure de l'angle BCD. Soit M, un point tel que l'angle DAM mesure 45 degrés. La troisième question, c'est déterminer la mesure de BMA. Donc, on commence par le traçage de la figure. Premièrement, qu'est-ce qu'on a? Je vais tracer une figure à la main levée. CD est un parallélogramme A, B, CD. Voilà l'ordre des points. Tel que la mesure de AB mesure 3 cm. Et voilà, AD mesure 4 cm. Et l'angle BAD mesure 65 degrés. Donc, cette figure va m'aider pour tracer la figure réelle. Donc, je commence par la distance de AB, ou bien le segment AB qui mesure 3 cm. Donc, 3 cm. Voilà le point A et le point B. Après, je vais mesurer l'angle BAD. C'est combien? C'est 65 degrés. Donc voilà, j'ai utilisé l'outil mathématique, c'est 0, 10, 20, 30, 40 et 50, 60. Et voilà, 65. Donc l'angle, c'est 65. Et après, je vais tracer le deuxième côté de l'angle tel que cet angle, il mesure combien? C'est 65 degrés. Et la distance AD, combien? T égale à 4 cm. Donc voilà 0. 1, 2, 3, c'est 4. Donc voilà le point D. Il me manque ici le point C. Le point C. À l'aide d'un compas, je vais déterminer le point C. Donc je prends la distance ou bien le segment AB et je vais poser le compas sur le point D. Je vais mesurer encore la distance AD et à partir du B, je vais déterminer si le point C. Très bien. Donc voilà le point C. Donc je vais compléter le parallélogramme maintenant qui est vérifier toutes les données demandées pour la question ou bien pour l'exercice, c'est-à-dire un parallélogramme. Il y a la distance AB qui mesure 3 cm et AD qui mesure 4 cm et l'angle BAD qui mesure 65 degrés. Pour la première question, qu'est-ce qu'on a? On a déterminé la mesure de la distance ou bien la distance BC ou bien la longueur de segment BC. Qu'est-ce qu'on remarque? BC, c'est quoi? BC, c'est le côté opposé de AD. Côté opposé à, pour le côté AD. Qu'est-ce qu'on sait? Donc, pour la première question 1, déterminer la distance BC. Qu'est-ce qu'on a? On a ABCD. ABCD est un parallélogramme et le côté AD et BC deux côtés opposés. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la distance AD égale BC. Car on sait bien que dans un parallélogramme, tous les côtés opposés sont égaux. Et
Ils sont parallèles, c'est-à-dire les supports de ce côté sont parallèles. Et qu'est-ce qu'on sait? On sait que la distance AD, elle mesure quoi? Elle mesure 4 cm. C'est-à-dire quoi? Donc, encore BC égale à 4 cm. Qu'est-ce qu'on a pour la deuxième question, bien la deuxième partie de la question, hein? Qu'est-ce qu'on va déterminer? C'est la mesure de l'angle BCD. Déterminer la mesure de l'angle BCD. BCD, c'est ça, c'est l'angle BCD. C'est cet angle-là. Donc, qu'est-ce qu'on sait? On a ABCD est un parallélogramme d'un parallélogramme et l'angle BAD BCD deux angles opposés, c'est-à-dire quoi? Donc on sait que dans un parallélogramme tous les angles opposés sont égaux. C'est-à-dire que BAD, il a la même mesure que BCD. Et qu'est-ce qu'on sait? On sait que BAD mesure 65 degrés. Donc, encore, BCD, elle mesure 65 degrés. Donc, on passe à la troisième partie de cet exercice. Qu'est-ce qu'on a? M, c'est un point tel que l'angle DAM, elle mesure 45 degrés. C'est-à-dire, il y a un point sur le segment BC, voilà le segment BC. Un point appartient à ce segment tel que l'angle DAM, il mesure 45 degrés. Donc, en utilisant le rapporteur, qu'est-ce qu'on a? Donc, DAM, je vais mesurer cet angle. Donc, il y a 45, 0, 10, 20, 30 et 40 et 45. Voilà, c'est 45. Et je vais déterminer premièrement l'angle DAM. Ou bien, je vais déterminer le lieu de point CM. Voilà, le point M. Un point qui appartient au segment BC tel que BAM, elle mesure combien? BAM mesure 45 degrés. La question ici, c'est quoi? C'est déterminer la mesure de BMA. La mesure de BMA. BMA. B, voilà, le point B, MA. Donc cet angle. Déterminer la mesure de cet angle. Alors, je veux déterminer l'angle DBMA. Qu'est-ce qu'on a? On a la droite BC. Regardez bien la droite BC. Et la droite AD. Il y a deux droites ici. Comment sont-ils les deux droites? Ils sont parallèles. Car ABCD est un parallélogramme. ABCD est un parallélogramme, donc les côtés opposés sont parallèles. C'est-à-dire la droite AD est parallèle à la droite BC. Et on a encore la droite AM, c'est une séquente. AM est une séquente. L'angle BMA et l'angle MAD sont deux angles alternes internes. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire ils sont égaux. Et qu'est-ce qu'on sait? On sait que l'angle MAD, il mesure 45 degrés. Donc, en même temps, l'angle BMA, il mesure la même. C'est 45 degrés. Donc, on va écrire ça. C'est la troisième question. Déterminer la mesure de BMA. Qu'est-ce qu'on a? On a
Premièrement, ABCD est un parallélogramme alors la droite AD parallèle à la droite BC et AM est une serpente. C'est-à-dire quoi? Donc on a les deux angles DAM et BMA, deux angles internes. Donc, l'angle DAM égale BMA. Et qu'est-ce qu'on sait? On sait que DAM mesure 45 degrés. Alors, encore, BMA est là, la même mesure, c'est 45 degrés. On passe maintenant à la deuxième exercice. Qu'est-ce qu'on a? On a ABCD est un losange. ABCD est un losange tel que la mesure de AC égale à 4 cm et la mesure de BD c'est 6 cm. Soit M et N, les symétriques de B et D par rapport au point C. Premièrement, c'est tracer une figure. Donc, on va tracer cette figure. Je commence, premièrement, avec une figure à la main levée. Qu'est-ce qu'on a? ABCD est un losange. C'est-à-dire que les côtés sont égaux. Donc, on a AB, CD. Voilà l'ordre des points. Moi, je respecte bien l'ordre des points. On n'a pas le droit de changer cet ordre. Tel que AC, c'est quoi AC? C'est la diagonale. AC, il mesure combien? C'est 4. Et BD, c'est 6. Oh, c'est bien. Donc, on va déterminer cette losange à partir de quoi? À partir des diagonales. Qu'est-ce qu'on sait pour les diagonales d'un losange? Elles sont perpendiculaires, premièrement. Et en même temps, elles ont le même milieu. C'est-à-dire, le point d'intersection, c'est quoi? C'est le milieu de diagonale. C'est-à-dire quoi? Je commence ici de tracer deux droites qui sont perpendiculaires. Je vais tracer premièrement les deux droites qui sont perpendiculaires. Il y a deux droites. Voilà la première droite et voilà la deuxième. Donc voilà, c'est le centre de losange. Donc on a, je vais le nommer, c'est O, c'est le centre maintenant. Qu'est-ce qu'on a? On a la distance AC égale à 4, c'est-à-dire OA. O, c'est le milieu, donc OA est mesure 2. Donc je vais prendre la distance de 2 cm par compas. Donc je vais tracer le point A. Voilà le point A. Et voilà. C'est le point C. Voilà. Et voilà, c'est le point C. O, c'est le milieu de la diagonale AC. Pour la distance BD égale à 6. Donc, c'est-à-dire que la distance OB égale à 3. Donc, je vais prendre la mesure de 3. Et voilà le point B. Et voilà encore le point C, D. Voilà B. Le point B. Et voilà, c'est le point D. Donc, on a déterminé les quatre points. Maintenant, je vais lier entre les quatre points pour déterminer le losange qu'on
va qu'on veut tracer. Donc, puisque les diagonales ont un même milieu, sont perpendiculaires, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ABCD est un losange. Qu'est-ce qu'on a encore? On a le point M et N, ce sont les symétriques de BID par rapport au point C. Donc, je vais tracer le point M, le symétrique de B. Voilà le point B et le point C. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le point C sera le milieu, c'est le milieu de segment BM. Donc, je vais tracer. C'est voilà, le point, c'est M. Donc, et le point N, c'est le symétrique de D par rapport à C. C'est le symétrique de D par rapport à C. En utilisant la règle et, et le compas, je vais tracer. Donc, C, c'est le milieu de BD, de DN. C, c'est le milieu de DN. Car le point N, c'est le symétrique. Donc, voilà le point N. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a, c'est un losange, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les quatre côtés de A, B, C, D sont égaux. Donc, je vais garder les mêmes signes pour ça. Qu'est-ce qu'on a pour la première, pour la question 2? Démontrer, ou bien montrer que BDMN est un rectangle. Premièrement, je vais tracer ce quadrilatère. Démontrer que le quadrilatère est un rectangle. Donc, montrer que BDMN est un rectangle. Qu'est-ce qu'on a? On a C, c'est quoi? On a N symétrique de D par rapport à C. C'est-à-dire que C, c'est le milieu. Le milieu de B, de D, N. Encore, on a M, c'est symétrique de B par rapport à C. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que C, c'est le milieu de DN. Que représente, ou bien c'est BN, pardon. Que représente DN? DN, c'est la diagonale. Et BM, c'est la diagonale. Donc, les deux diagonales, les diagonales DN et BM ont le même milieu. C'est C. Donc, B, D, M, N est un parallélogramme. C'est un parallélogramme. C'est bon. Qu'est-ce qu'on a encore? On a la distance. CB est égal à CM. CB est égal à CM. Car C, c'est le milieu. Donc, je vais ajouter ce résultat. Donc, CN égale à CD. Et je vais noter ça, c'est C1. Puisque C, c'est le milieu de BM. C, c'est le milieu de BM. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la distance. Alors, c'est la distance CB égale à CM. C'est bon. Je vais la noter, c'est résultat 2. Qu'est-ce qu'on a? On a, d'après la première partie, ABCD est un losange.
est un losange. Alors, les côtés sont tous égaux. Les côtés AB est égal à BC est égal à CD est égal à DA sont à deux, les quatre côtés sont égaux. Donc, moi je prends seulement, je vais prendre seulement les deux côtés CA, CB, CB égal à CD. Je vais la noter, c'est 3. À partir d'après 1 et 2 et 3, qu'est-ce qu'on va déduire? On déduit que CB, voilà, CB est égal à CD. Ça d'une part. CB, c'est le résultat 3. CB, c'est combien? Si CN est égal à CN. Et CD est égal encore CN. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que d'après les quatre, l'égalité de quatre parties, donc CB est égal à CM est égal à CN est égal à CD, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les diagonales BM égale la diagonale c'est DN. Et qu'est-ce qu'on sait? Donc on a déjà qu'un parallélogramme, si un parallélogramme a des diagonales sont égaux, on sait que si un diagonale a des diagonales égaux, donc c'est-à-dire que le quadrilatère, donc voilà, donc je vais noter ça, c'est A et ça, c'est B. D'après A et B, on déduit que BDMN est un rectangle. Pourquoi? Tous les parallélogrammes qui ont des diagonales égaux, ce sont des rectangles. Pour le troisième exercice, qu'est-ce qu'on a? On a ABC est un triangle rectangle tel que la distance BA égale à 3 et la distance BC est égale à 5. C est un cercle de centre B et 2 et qui passe par A. Coupe BC en M. Donc, la calculer. Donc, premièrement, je commence par le traçage de cette triangle. Qu'est-ce qu'on a pour le triangle? On a un triangle rectangle A. Donc, il est rectangle en A. Donc, AB. AB. Il mesure combien? Il mesure 3. Et la mesure de BC, c'est 5. Donc, je prends le compas et je vais prendre la distance du 5. À partir du B, je vais déterminer le point C sur le côté. Le deuxième côté de l'angle droit, ça c'est le point C. C'est-à-dire que la distance BC, c'est combien? C'est 5 cm. C est un cercle qui passe par de centre B et qui passe par A. Donc je vais tracer le cercle qui passe par A. Voilà, le cercle n'est pas exact. Donc c'est de centre B et de rayon R. Combien il égale la distance BA, c'est 3 cm. Donc c'est le cercle de centre B. Il coupe BC en M. Premièrement, calculer la distance CM. Calculer CM, la distance CM. Qu'est-ce qu'on a? On a les trois points CM et B sont alignés et le point M il appartient à la distance et au segment CB. On a la distance CM égale la distance CB moins la distance BM. CM égale la grande distance et BC moins BM. CM égale CB, c'est combien? C'est 5 cm moins BM. La distance BM est égale à 3, car BM c'est quoi? C'est le rayon de cercle, moins 3 cm.
Donc CN est égal à 2 cm. Deuxième question, que représente la droite AC? Que représente la droite AC de la droite AC pour le cercle C? Premièrement, je vais compléter cette droite. Qu'est-ce qu'on a pour la droite? On a AC perpendiculaire avec le rayon. Dans ce cas, je vais utiliser le rayon AB. Dans quel point? Dans le point A. Au lieu de dire la droite AB, j'ai utilisé le rayon AB. Pourquoi? Et AB, et le segment AB, c'est le rayon de cercle C, de centre B et de rayon 3 cm. Alors, qu'est-ce qu'on sait? C'est une droite, il est perpendiculaire à un rayon sur un point, le point A, le point d'intersection. Donc ici, AC et la tangente, de cercle C au point A, c'est la tangente d'après la propriété que vous avez à votre cahier. Donc pour la quatrième, le quatrième exercice, on a ici une figure, il y a quatre points seulement, on ne peut pas le tracer. Il y a A, le point B, il y a le point A, un point, un autre point C, et un autre point M, un autre point C, B, tel que, voilà, il y a des choses ici. On peut pas, ils ne vous demandent pas de tracer la figure avec les outils mathématiques, seulement il faut considérer et il faut démontrer ou bien répondre à la question. Qu'est-ce qu'on a? On a l'angle ici, c'est 50 degrés. L'angle CBA, c'est 75 degrés. Et le troisième angle, c'est BMC. BMC, c'est 55 degrés. Première question, c'est quoi? La première question, c'est déterminer. Déterminer la mesure de MCB. L'angle, c'est MCB. C'est quoi? Cet angle-là. On veut déterminer la mesure de MCB. Qu'est-ce qu'on a dans le triangle? BCN, on a, il y a deux angles et ils sont déterminés. C'est CBM égale à 75 et CMB c'est 55. On a BCN égale à 180 degrés. Car la somme des trois angles d'un triangle égale à 180 moins les deux angles sur CBA, CBM plus CMB. Donc BCM égale à 180 moins 75 plus 55. Donc BCM est égal à 180 moins 130 égale à 50 degrés. C'est-à-dire, cet angle, elle mesure 50 degrés. La deuxième question, c'est démontrer que les deux droites elles sont parallèles. Montrer que AC est parallèle, ou bien AB, parallèle à CN. Les deux droites elles sont parallèles. Premièrement, je vais tracer les deux droites. Voilà la droite. Voilà l'autre droite. Montrer que les deux droites sont parallèles. Qu'est-ce qu'on a? On a dans cette figure, on a AB. C'est quoi? C'est une séquence.
Pour démontrer qu'il y a deux droites parallèles, il faut utiliser les angles alternes, internes, par exemple. Qu'est-ce qu'on a? On a AB et CM, deux droites, et CB, une seconde, détermine deux angles MCB égale 50 degrés et CBA encore égale 50 degrés. Comment sont-ils les deux angles interne égaux? Alors, les deux droites AB, c'est le point AB, il est parallèle à la droite CM. إلى هنا تنتهي حصتنا. شكرا لكم على انتباهكم وعلى إطالتي في هذه الحصة، والسلام عليكم.